messieurs, bonsoir. Votre poste de télévision communautaire est très heureux ce soir de vous présenter en première la toute nouvelle émission Matamédia, qui vous reviendra tous les jeudis soirs à 17h et en rappel le dimanche à 14h. Ces chroniques seront certainement vous intéresser, gens de la vallée de la Matapédia. Nous parlerons santé, de bien-être des jeunes, de la famille et des personnes âgées. De chaque municipalité, ou du moins des municipalités les plus importantes, nous vous donnerons les nouvelles, les nouvelles locales et des loisirs. Nous reviendrons aussi avec des chroniques telles que les voyages, les livres, la musique, l'économie. Nous reviendrons également avec les films vidéo. Dans tout cela, enfin, tous les sujets pouvant intéresser les gens de la vallée, on vous les amènera régulièrement les jeudis soirs. Plus de 30 personnes vont participer à Matamédia. Actuellement, pour revenir dans le sujet, on pourrait parler de l'organisation des diabétiques. Et pour nous en parler, nous avons ce soir avec nous M. Denis Pinard. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Denis est organisateur communautaire pour la CLSC de la Vallée. Mais en fait, est-ce qu'il y a plusieurs diabétiques dans notre région? Est-ce qu'on connaît, parmi nos amis et nos membres familiales, est-ce qu'il y a des diabétiques? Et je vous posais la question, Hélène. Combien y a-t-il dans notre région de diabétiques? Bien, j'ai entendu justement à la radio cette semaine qu'on évaluait à 1000 personnes, peut-être, dans la vallée, le nombre de diabétiques. Gémard, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense qu'il y en a autant, puis peut-être plus encore qui ne sont pas découverts. Mm-hmm. Et toi? Ben moi, je suis convaincue aussi qu'il y en a sûrement plusieurs. À donner un chiffre, je serais embêtée. Un pourcentage, un chiffre? Je ne sais pas, 6%, 10%. 6%? Bien, il y a peut-être quelqu'un qui est très proche. Je pourrais peut-être dire que Hélène, c'est elle qui chauffe le plus. Mais je vais demander à Denis, notre spécialiste en matière, de répondre. Gilles, je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas un spécialiste en la matière. Mon travail consiste à donner du support à un regroupement qui est en train de naître dans la vallée pour regrouper toutes les personnes diabétiques. Pour revenir à la question posée par Gilles, je dois dire que c'est Hélène, bon, elle écoute la radio. Oui, c'est bien ça, c'est 1100 personnes dans la vallée. Si on regarde le pourcentage au niveau de la province, on parle de 5%. Alors, ça donne à peu près, là, ici dans la vallée, si on fait une projection, 1100 personnes. Aujourd'hui, la chronique porte, comme vous l'avez bien compris, sur les personnes diabétiques. Il y a depuis le printemps dans la vallée un premier regroupement, un comité provisoire qui est en place pour aider les personnes diabétiques, leur permettre de se donner de l'échange. Le CLSC donne actuellement un support pour en arriver justement à une association qui serait régionale. Si vous le permettez, on pourrait peut-être écouter dans les minutes qui suivent la présidente du comité provisoire et par la suite, on va entendre quelques membres du comité qui vont nous parler du salon conférence, la première grande activité qu'ils veulent organiser au mois d'octobre. Vu les besoins dans la région, nous avons formé un comité provisoire pour les diabétiques en vue de former une association. On a deux buts principaux. Premièrement, c'est informer la population en général des besoins des diabétiques. Deuxièmement, les informer, les documenter sur leur diabète et surtout qu'ils peuvent échanger leur vécu. Donc, ce qu'on veut en tant que comité provisoire dans la vallée, c'est de former une association. Pour, comme plateforme de lancement, on s'est donné une activité qui va se dérouler le 22 octobre, qui est un salon du diabète. Ce salon-là va comprendre un volet à caractère information. Information sur l'alimentation, entre autres, activité physique, contrôle du diabète. Information aussi à partir de personnes ressources qui sont sous forme de conférences, qui sont entre autres un endocrinologue.
Information également à partir de compagnies pharmaceutiques qui vont être présentes, qui vont présenter leurs produits reliés au traitement du diabète. Mais il y a aussi un autre volet très important à cette rencontre-là, qui est le volet échange. Ce qu'on veut savoir, dans le fond, on veut consulter les gens là-dessus. Est-ce qu'on doit former une association ou pas? Nous autres, on croit que oui, donc on veut associer le monde à cette démarche-là. Il y aura donc des ateliers à partir de ce questionnement-là, à savoir à quoi pourrait servir une association dans la vallée du diabète. J'aimerais beaucoup que tout le monde soit présent au salon de conférence. Tout le monde, pour moi, c'est d'abord et avant tout les personnes diabétiques elles-mêmes, et puis aussi les membres de leur famille, toutes les personnes qui sont concernées. Vous savez, pour moi, l'Association des diabétiques Vallée de la Matapédia, c'est une lueur d'espoir. C'est la possibilité d'échanger entre nous, personnes diabétiques. Je suis diabétique, moi aussi. Et je pense que beaucoup de gens dans la Vallée de Matapédia vivent leur diabète un peu comme un drame, comme un cauchemar. Et en réalité, ce n'en est pas un. Ça se contrôle très bien avec de la discipline. Et c'est ça peut-être qu'on aimerait partager avec la plupart des autres diabétiques. Viens de la Vallée. Ce salon-là, c'est pour tout le monde. Venez chercher de l'information. Vous ne serez pas déçus. C'est pour les jeunes, les moins jeunes et enfin tous. Venez, on sera tous ensemble. C'est sur ce magnifique sourire que moi, je me permets aussi de vous inviter à vous présenter à ce salon. Si dans les commentaires que vous venez d'entendre, ça ne vous apparaît pas clair, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite, là, vous voyez présentement en bas de l'écran les numéros de téléphone des points de service du CLC. Téléphonez, n'hésitez pas, vous pouvez me demander, Denis, et je serai là pour répondre. Sinon, si vous connaissez des personnes qui sont diabétiques et que vous connaissez, que vous avez reconnues sur les images qu'on vient de voir, appelez-les, n'hésitez pas, elles seront là pour vous répondre. Merci, Denis. Bien, je vous présente immédiatement notre nouvelle chroniqueur, Hélène Daou. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Hélène est agent de liaison au Carrefour de l'éducation aux adultes. Et tu as un invité avec nous, Hélène. Veux-tu nous la présenter, s'il vous plaît? Oui, justement, c'est Mme Gemma Beauchesne. Gemma est responsable des ateliers de français et d'arithmétique de base qui se donnent dans toutes les paroisses du territoire. Puis, ça fait quand même plusieurs années que Gemma là, est dans... responsable de ce dossier-là. Bon, Gemma, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adressent ces ateliers-là, ces cours qu'on appelait anciennement là, l'alphabétisation? Ça s'adresse à toute personne qui ne maîtrise pas le français de base, le français parlé et le français écrit, puis qui ne maîtrise pas non plus l'arithmétique de base. Ça s'adresse à toutes les personnes de tout âge, indépendamment de leur situation. Toutes les personnes qui n'ont pas la satisfaction personnelle d'être capables d'écrire, de parler et d'écrire correctement peuvent s'inscrire à ces cours, okay. À ces ateliers, c'est-à-dire... Moi, ouais, c'est son... Ouais. C'est des cours, mais sous forme d'ateliers, de psycho. Puis c'est ça, je pense, c'est pour finalement les adultes qui n'ont pas pu nécessairement là, aller à l'école longtemps ou ont dû abandonner, c'est ça. Ou qui, parfois, il y a des personnes qui sont allées à l'école, mais à l'intérieur des cadres fonctionnels, ils n'ont pas été aussi loin qu'ils l'auraient voulu. Alors, toutes ces personnes-là sont admises, sont les bienvenues. OK. Puis, c'est quoi au juste ces ateliers? C'est l'enseignement du français et de l'arithmétique encadré dans des domaines de vie. Des domaines de vie, un domaine de vie regroupe des situations que toute personne vit normalement. Et comme exemple, la santé physique et mentale. À l'intérieur de la santé physique et mentale, c'est un domaine de vie. À l'intérieur de ce domaine de vie-là, on retrouve l'alimentation, l'hygiène, la sexualité, la santé mentale aussi. Tout la connaissance du corps. Oui. C'est ça. Puis, à travers ces domaines de vie-là, les gens apprennent le français. Et l'arithmétique. Oui, l'arithmétique, c'est où est-ce qu'on la retrouve dans ça? Là? Bien oui. C'est que là, présentement, on est en train de préparer un domaine de vie qui va développer tout le programme de l'arithmétique de base. Par exemple, la construction ou d'une maison. Ça peut s'appeler l'habitation. La salubrité d'une maison, l'aération, la construction, la décoration, l'ameublement d'une maison.
en faisant, en connaissant ce que c'est qu'on a besoin pour habiter dans un logement salubre, on va apprendre à le construire, puis on va apprendre les mathématiques. On va apprendre les dimensions, les angles, ça, le, mmh. à oui. calculer, oui. Ah, à partir de choses concrètes. Oui, là. C'est toujours à partir de choses concrètes. Comme okay. le français, c'est toujours à partir de situations, comme je viens de dire tantôt, que tout le monde vit okay. tous les jours. C'est ça, les domaines de vie. OK. Puis, de quelle façon se fait l'apprentissage, l'enseignement? Bon, l'adulte apprend à son rythme. La formatrice suit son apprentissage. C'est une évaluation immédiate. C'est une revision des erreurs à mesure. Il n'y a pas de notation. Il n'y a pas de compétition avec son voisin. La personne va à son rythme dans un cahier qui est conçu pour l'adulte avec un langage que les adultes retrouvent. Un cahier qui est bien aéré, qui est facile. OK, donc vraiment adapté aux adultes, qui oui. veulent apprendre. Le matériel et l'apprentissage au complet est adapté aux adultes. Ah, bien, c'est intéressant. Puis, comment est-ce que c'est organisé dans chaque paroisse? Dans chaque paroisse du territoire de la Commission scolaire Vallée de la Matapédia, il y a des ateliers qui sont ouverts à toutes les personnes qui en ont besoin. Il y a 10 adultes, ça regroupe pas plus que 10 adultes. OK. Et puis, ce sont les heures, ça se donne aux heures qui conviennent aux adultes. Ça peut être dans le jour, ça peut être le soir. C'est deux rencontres par semaine, hein? C'est deux ça? Rencontres par semaine, en plus du travail personnel, qui est supervisé par la formatrice. On pourrait dire que c'est une partie d'enseignement sous tutorat. OK. Puis, quand est-ce qu'il faut s'inscrire à ces ateliers-là, puis comment actuellement, les inscriptions, les formatrices et les comités locaux d'éducation des adultes dans les paroisses font le recrutement. L'inscription se fait à partir de cette semaine jusqu'au 15 octobre. Okay. Comme c'est de l'enseignement individualisé, l'entrée est libre. Une personne peut entrer en novembre seulement. OK. Mm-hmm. Puis aussi, les gens qui ne connaissent pas les comités dans leur paroisse, les comités locaux d'éducation des adultes, peuvent appeler hein, oui. Gemma Beauchesne à l'éducation des adultes. C'est 629-1882. 1882. Merci beaucoup, Gemma Beauchesne. Ça m'a fait plaisir. C'est d'actualité. Puis comme les gens de Lac-Saint-Jean disent si bien, c'est dadon. Alors, merci beaucoup, Hélène, merci. Pour ton invité. Puis on se revoit dans 15 jours. Oui, avec plaisir. Alors, mes chers amis, maintenant, on va parler du stress. Ah, quel sujet! Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour contrôler le stress ou, de toute façon, au moins ne pas se laisser détruire par le stress? Et nous avons avec nous Sonia Bérubé. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Qui va nous entretenir de ce sujet d'actualité. Eh oui. J'ai choisi ce sujet-là, c'est venu un peu des derniers jours, parce que finalement, j'ai rencontré un paquet de gens qui sont très stressés. Fait que d'une manière, je me suis dit, pourquoi pas en parler? Mm-hmm. Fait que le stress, ça peut provoquer un paquet de choses... comme mon ami Denis le disait tout à l'heure, qui avait des problèmes d'estomac parce qu'il était un peu nerveux. On peut parler aussi d'hypertension, d'ulcères, d'estomac, de certains désordres sexuels, même d'anxiété, insomnie, des migraines, maladies nerveuses, palpitations, diarrhée, constipation pour certaines personnes. Ça nuit à la concentration et j'en passe. Puis il y a aussi, bon, dans des produits qu'on va utiliser assez régulièrement, certaines choses qui vont faire que l'état de stress peut être encore plus grand. Quand je pense, le sucre, entre autres, qui est un excitant. Qui va, comme l'alcool. L'alcool rentre également là-dedans. C'est incroyable ce que ça peut produire. En tout cas, juste au niveau du sucre, ça produit un acide qu'on appelle l'acide oxalique. Puis ça, c'est à l'origine de migraines, de troubles nerveux, de fatigue excessive. Ça fait que souvent, on remarque aussi de très jeunes enfants, même au niveau des adultes aussi, mais des jeunes enfants qui n'ont pas vraiment consommé de sucre à date, puis quand ils commencent à en consommer, on s'aperçoit tout de suite, en tout cas, des parents m'ont confirmé la chose, que les enfants étaient très excités. Puis, ah oui. Mm-hmm. Ça fait que, bon, l'alcool, on en a parlé un peu. Il y a aussi des produits dénaturés en général, comme je parle, des céréales incomplètes, des choses comme ça. Toujours à base de sucre, souvent, puis à base... Oui, beaucoup, mm-hmm. mais le fait qu'elle soit dénaturée dans le sens, ouais, bon, du riz blanc, quand on sait qu'il n'y a plus grand-chose dedans. Mm-hmm. Puis, on retrouve aussi dans les céréales beaucoup de vitamine B. Puis, c'est ça, la vitamine B, c'est une vitamine qui est très, très bonne pour le système nerveux. Fait qu'à ce moment-là, étant donné que les céréales sont incomplètes, plus de vitamine B, carence pour le système.
Certaines personnes aussi vont utiliser beaucoup de calmants chimiques. Les calmants chimiques, ça ne résout rien. De toute façon, c'est toujours... tout ce qui est chimique n'a pas nécessairement à faire dans le système. Puis d'autant plus que les calmants chimiques, les gens créent une dépendance à ça. Puis ça rend aussi les gens amorphes, puis dépressifs. Ça fait que... qu'est-ce qu'il vaut-il mieux être stressé ou être dépressif? C'est la question. Bon, moi, ce que j'aimerais apporter aussi, c'est un peu les alternatives, dans le sens... finalement, quand on est stressé, il y a toujours des raisons. Fait que moi, j'incite souvent les gens à s'analyser, à savoir pourquoi ils sont stressés, de trouver, bon, la solution, on peut tout trouver une solution, finalement, puis de faire face aux problèmes aussi. Se changer les idées, faire de la lecture, on peut faire un paquet de choses, faire d'exercices physiques, qui est très bon, qui oxygène le cerveau. J'y arrivais à l'instant, mon cher, sur ma prochaine petite feuille. Puis, exercice physique, ça comprend un paquet de choses, autant la natation, la marche, tout ce que vous voulez. Puis, il y a un sport pour chaque saison. Même des personnes m'ont dit, faites l'amour. J'ai dit, tiens, c'est bien. La respiration est très importante aussi, parce que souvent, quand on est stressé, on ne respire plus. Mm-hmm. Fait que le cerveau n'est pas oxygéné. Apprendre à s'étirer aussi, tu sais, faire passer des tensions. La musique. Puis, c'est ça, de plus en plus, on assiste aussi à un genre de nouveau dans le sens de musique, la musique du nouvel âge, qui est très, très, très intéressante. Oui. La musique est très douce, ça relaxe, c'est incroyable. Puis, personnellement, j'admire Kitaro. Tout le monde qui a écouté cette musique-là se sent évaporé. C'est très bon. Ensuite, on peut prendre des bains chauds, on peut faire des massages. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Souvent aussi, le fait de parler, de dire nos stress, puis avec aux personnes concernées, déjà ça, mm-hmm. ça résout un grand problème. D'exprimer le problème. Ouais. Mm-hmm. Parce que ça, souvent, ça devient, bon, souvent, c'est le moton au niveau de l'estomac, donc c'est, au lieu de tout garder, bien, apprendre à faire sortir ça. Le stress passe par le féminin. Puis la communication est améliorée souvent entre plusieurs personnes. Puis finalement, ben, je pense vivre au jour le jour. Arrêter de se casser la tête pour ce qui va arriver l'année prochaine, en restant réaliste, évidemment, parce que, bon, il y a le loyer, il y a ci, il y a ça, mais de, tu sais, qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine, où est-ce que je vais être, des choses comme ça. Dans le fond, faut laisser venir le temps, puis finalement, tout ça, renforcer un peu le système. On se renforcit soi-même aussi, puis on est plus apte à faire face à un paquet de situations. Et voilà. Et voilà. Sonia, c'est beaucoup d'un peu de temps. Très beaucoup. Mais je suis certain que tu nous as beaucoup sensibilisés à la médecine douce, puis à la médecine alternative, qu'on appelle. Mm-hmm. Merci. Sonia va nous revenir à tous les 15 jours avec un sujet semblable. À tous les mois, mon cher. À tous les mois. Tous les mois. Sonia, comme moyen de contrôler le stress, qu'est-ce que tu penses d'un bon livre de lecture? Idéal. Parfait. Ben, oui. Je suis bien content parce que j'ai justement quelqu'un de présenté qui va nous parler de livres de lecture, de ses lectures pendant les vacances d'été. Oui, c'est Micheline Briand de Causes Fiscales. Bonsoir, Micheline. Bonsoir. Il y a un titre ici là, qui m'impressionne beaucoup. Les corbeaux et les renards de Françoise Dorin. J'ai hâte que tu nous en parles. C'est un roman. Françoise Dorin, c'est un auteur française qui, elle, écrit des livres, elle, sur les nouvelles relations entre les hommes et les femmes. Bon. Alors, c'est pas un roman de fiction, vraiment. C'est un roman, mais toujours basé sur les relations entre les hommes et les femmes, les nouvelles relations. Mmh. Elle a écrit déjà « Les lits à une place », puis « Les jupes culottes ». Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. D'abord, en portant les corbeaux, ce sont les hommes et leur vanité. Je pensais que ça pouvait être ça. Et le renard, ce sont les femmes qui en profitent. Qui en profitent. Bon. Qui en profitent. Dans ce livre, elle raconte l'histoire d'une mère qui donne comme seule directive de vie à ses filles que l'important, c'est de se marier avec un homme riche. Puis pour ça, il faut exploiter la vanité masculine, dans tous les domaines, surtout celle du sexe. Ah bon? Vous écoutez ça, les messieurs, là? C'est... elle a une de ses filles qui, elle, suit la ligne là, de sa mère à 100%. Elle épouse donc un homme riche, mais qu'elle n'aime pas vraiment. La deuxième, elle ne veut rien savoir des recommandations de sa mère et elle veut être libre, elle veut aimer qui elle veut puis choisir son homme sans nécessairement qu'il soit riche. Alors, le livre, c'est de savoir là-dedans lequel des deux femmes est la plus heureuse. Ah bon? Puis ça, je suppose que tu ne nous le diras pas, là. Non, je ne vous le dirai pas parce qu'elle, elle ne le dit pas non plus dans le livre. Ah bon?
Parce que, non, c'est ça. Comme dans toute la vie de tout le monde, j'ai l'impression que tu as des bons moments puis des mauvais moments. Fait que il y a du pour et du mauvais côté dans les deux bords. Mais si je te demandais lequel des deux maris qui est plus heureux, est-ce que tu pourrais me le dire? Il y en a une, la deuxième, là-dedans, qui ne se marie pas. Ah, bon. C'est bien embêtant. Le premier, il ne semble pas très heureux, de toute façon. Bon. C'est bien écrit, c'est intéressant, puis c'est drôle. Elle a un sens d'humour très particulier, cette femme-là. Elle est très satire, assez féroce dans ce qu'elle dit aussi, dans sa façon de s'exprimer. Mais en tout cas, j'en ai le goût, moi, vraiment, de le lire. Puis là, j'aimerais beaucoup aussi. Celui-là, ici, m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu as à dire? Le prétendant de Steve Sommer. C'est un livre de... Lui, je ne connais pas, je n'ai jamais lu un auteur. C'est la première fois que je lisais son livre. C'est un livre de politique fiction. Ah, on voit ça beaucoup de ce temps-là, des politiques fiction. Ça se passe en 1988. Aux États-Unis, Terry Fallon, c'est un jeune sénateur qui échappe par miracle à un attentat. Devant les caméras de la télévision. Alors, il devient l'idole des Américains. Ils veulent l'avoir comme vice-président. Ça déclenche toutes sortes d'intrigues, toutes sortes d'enquêtes de la part de la CIA, du FBI, du gouvernement, tout ça. Fait que ça remet en question. Tu te vois que le FBI, la CIA, ça marche pas toujours ensemble. Il y a beaucoup d'intrigues là-dedans. C'est un bon livre. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est très intéressant. C'est un bon suspense qui parle... Il y a beaucoup d'action, du suspense, puis il y a du sexe aussi. Bon. Comme tout bon roman américain. C'est ça, comme tout bon roman. Puis là, il y a aussi qu'il faut qu'il fasse enquête là, sur le savoir si cette personne-là qui est supposée d'avoir une vie sans tâche et sans reproche, si c'est vraiment ça. C'est très intéressant, mais c'est un peu mêlant, par exemple. C'est un peu mêlant. C'est un peu mêlant, faut que tu suives. En tout cas, pour l'élection, on a dit tantôt que le sexe était bon. On a dit que les livres étaient bons. Donc, on ne manquera pas de lire tes livres, certain. Tu as bien raison, Sonia. Merci beaucoup, Micheline. Et on se revoit dans un mois, tu nous parles de d'autres livres, d'accord? C'est ça, d'accord. Mes chers amis, nous avons quelqu'un d'autre de Cause Apicale aujourd'hui. C'est le directeur et animateur des sports que j'appelle Guylain Raymond. Bonjour. Bonjour, Guylain. Bienvenue. Tu reviendras toi aussi nous voir à tous les mois, tous les cinq semaines à peu près. Ce soir, tu as un invité avec nous qui s'appelle Pierre Chouinard, sculpteur également de Cause Apicale. Bonjour. Bonjour. Je crois que ça a à faire un peu avec le projet Matamadja, puis comme Cause Apicale est la capitale du saumon, là. Je doute là, que vous avez quelque chose à nous parler dans ce sens-là. Pierre, par qui il est parrainé, ce projet? Oh, le projet, il a été parrainé par la Chambre de commerce. Disons, tout début, quand on a commencé, c'était l'année passée, avec ce que j'ai pu voir dans les journaux, il y avait de l'argent qui était placé justement pour le développement du saumon à Cause Apicale. J'ai dit, voilà mon idée. Tiens, c'est ça. C'est avec ça, tout simplement, bien, on est visuel, naturellement, un peu tous, on prend le rocher percé. S'il n'y aurait pas de trou, on ne dirait pas que c'est un rocher percé. Fait qu'ici, à Cause Apicale, on a du saumon. Fait qu'il faut le montrer, le saumon. Mm-hmm. Bien sûr, il est dans la rivière. Surtout quand on monte de la vallée, on voit les pêcheurs dans notre eau. On dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils pêchent quoi, eux autres? Fait que c'est tout simplement, c'est du saumon. Et puis, à partir de ça, dire le saumon, c'est que je veux développer à Cause Apicale un monument, qui est d'ailleurs le projet, le saumon. Et puis, fait que là, présentement, nous avons trois élèves qui travaillent avec moi. Et à partir de ça, c'est-à-dire les élèves, ils font de la formation. Après la formation, on va travailler sur le monument, disons, sur le site. On met ça en deux étapes. Parce que, naturellement, les gens ne sont pas tous sculpteurs, surtout ici à Cause Apicale. Ça prend déjà une formation. La formation est de un mois et demi. Après ça, la totalité dure cinq mois, le projet, jusqu'à Noël. Fait que, naturellement, c'est un monument. Monument qui veut dire gigantesque. Les pierres, c'est en pierre. C'est en pierre de Saint-Marc, qui est tout près de Trois-Rivières. La pierre pèse 20 tonnes, fait qu'on ne peut pas la déménager. Fait qu'en partant de là, on est obligé de travailler sur le site de l'endroit, naturellement sur le site, où est-ce qu'on va faire la sculpture, le monument. Le site va être situé à quel endroit, à Cause Apicale? Le site est situé tout près de la maison Matamadja, tout près, disons, en face, la maison Matamadja, entre le kiosque touristique et le poste d'accueil qui appelle, qui est la maison en face de Matamadja, sur, pas tout près de la rivière, mais l'autre côté de la rue. OK. Qui en a trouvé un site idéal. OK. Bon. Tu nous disais tantôt qu'il y avait trois personnes qui travaillaient avec toi. Est-ce que tu peux nous les nommer, ces personnes? Oui. Il y a Hervé Perron, qui est justement de Cause Apicale, Jean-Charles Dufour, puis Jean-Yves Bouchard, qui sont naturellement de Cause Apicale, eux aussi.
Au départ, il y a eu une petite... quelques gens qui voulaient travailler justement dans ce projet-là. On a formé un petit comité pour de sélection, qu'on appelle, là, pour voir un peu les aptitudes des gens de la région. Et naturellement, étant quelques personnes, vu que j'avais trois places, je ne pouvais pas en prendre plus que trois. J'ai adopté ces trois-là pour la formation et en même temps le volume. OK. Mm-hmm. Pierre, tu me disais cet après-midi que la pierre serait sur place la semaine prochaine, je crois. Oui, on l'attend avec, je dirais pas pied ferme ou main ferme, mais on l'attend. Elle devrait arriver sous peu. Je m'attends peut-être dans une semaine et demie. OK. Puis, je l'ai commandé. D'ailleurs, la compagnie là-bas, c'est vu que c'est très gros, c'est très difficile de la choisir dans la carrière. Et puis, pour qu'elle soit belle, c'est vu que c'est un monument, c'est sculpté tout le tour. Il y a 9 pieds de sculpture sur la pierre. Le monument mesure 14 pieds. Il y a une base de 5 pieds. Fait que vous pouvez voir quand même, c'est si gigantesque. Fait que ça prend quand même... Est-ce que les gens, Pierre, vont pouvoir aller voir le montage de ce monument Saumon? Certainement. D'ailleurs, même, je les invite beaucoup à venir voir ce qu'on fait là-bas à Côte-Abscale, surtout sur place, le Saumon. Bien sûr que dans la formation, c'est très difficile de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait. On fait des études, on étudie, on fait du dessin, on fait du modelage. Mais rendu sur place, bien, je pense que vu que c'est gros, on va pouvoir justement bien voir. Je pense, Pierre, que tu n'en es pas ta première expérience. Tu me disais même tantôt que tu avais un bronze. Oui. Mmh. Ah, comme expérience, disons que ça fait quand même tout près de 17 ans que j'en travaille. Fait que je pense que je suis capable de le faire, celui-là. Un bon saumon de chez nous. OK. Fait que merci bien, Pierre, puis bonne chance à ton projet. Ça me fait plaisir. Moi, j'aimerais savoir, la sculpture, elle va être terminée pour Noël? Oui, elle devrait être terminée pour Noël. Fait que l'inauguration va se faire dans ce temps-là aussi? Probablement. Ah. Juste après Noël, peut-être le 27-28. Merci, Pierre Chouinard. Et merci à ton invité. On te reverra dans une semaine. Merci. Je suis certain que votre compatriote Résultat Couturier aimerait avoir le résultat de tout ce projet-là. Oui, alors, nous en profitons pour offrir aux gens de Côte-Abscale, ses parents, ses amis, nos plus sincères sympathies. Donc, l'émission se termine et nous vous disons à la semaine prochaine. On reverra Denis Picard, Pinard, qui nous parlera de la santé. Tandis que Gaëtan Roy parlera économie, Raymond de Bélanger de voyage, José Giroux des loisirs au lac au Saumon et Pascal Beauchemin des nouveautés dans les films vidéo. Jean de la Vallée, bonsoir, à la semaine prochaine.